en y réfléchissant bien, ce n'est pas seulement mon temps et moi. Je veux vous dire que nous sortions d'une époque de la guerre qui a été très très dure, mais où le cinéma justement en a profité. On a fait de beaucoup 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 de films, pas seulement la Continentale, mais là il y a eu aussi le Pâté, il y a eu Comme la Gaumont, et l'un des films qui a le plus marqué, ce sont les Visiteurs du Soir, des Enfants du Paradis. Les Visiteurs du Soir, naturellement, c'est de Carné aussi, mais c'était avant. Les Enfants du Paradis qui ont été tournés pendant la guerre et qui ont été projetés tout de suite après la guerre. Et ça a fait un tel triomphe, un tel succès, parce que les gens avaient besoin de ça après ces années de guerre, d'abstinence. Et ça a fait une bombe dans le cinéma. Et quand on a été voir ce film que Pathé a fait, d'ailleurs, c'est Pathé qui avait fait les Enfants du Paradis, quand on a été voir l'autre Pathé, c'est-à-dire Les Portes de la Nuit, il y a eu un choc. Ça n'était pas ce qu'on attendait. Et je crois que c'est une des raisons, la troisième raison, si vous voulez, de l'échec de ce film.